Alors toute la journée, je vais vous donner des petits conseils qui vont être à double effet. Soit le but du jeu, c'est d'aller plus vite sur la piste, avec une marge de sécurité constante, soit sur la route, c'est de gagner de la marge de sécurité avec une vitesse constante. Donc on se fait un petit tour de circuit. Ok. Donc ligne droite, vous avez vu, il y a un petit cône là. Il faut attendre le cône. Il faut y aller. D'une manière générale, en virage, on rentre trop tôt. Ouais. Et le problème, c'est que quand on rentre trop tôt, on est à la corde à l'intérieur. Et on est en délicatesse parce qu'on peut rien faire. Si on touche au frein, au gaz, ben on est par terre, d'accord. Et du coup, on attend. D'accord. Alors déjà, de manière générale, les phases d'un virage, on en reparlera plus précisément cet après-midi. Mais donc, j'arrive à pleine vitesse, ok. Je fais mon freinage. Je commence à me mettre en position pour tourner. Et là, c'est ce qu'on appelle la phase neutre, c'est-à-dire que j'ai pas de gaz, pas de frein. Si je ne fais rien, je ne peux pas tomber. D'accord ? On peut aller frotter les oreilles par terre, mon pneu va tenir et je peux aller loin. Donc là, le but du jeu, c'est d'arriver assez vite, de garder de la vitesse pour faire le freinage ici, entre guillemets, au lieu de le faire là, parce que c'est toujours ça de gagner, d'accord. Donc je rentre dans mon virage assez vite, je me laisse mourir dans la remontée, et puis je cherche bien, alors la moto suit le revers, hein, toujours, donc je cherche bien ma ligne droite que je vais me créer, je bascule, et j'aligne ces deux cônes. Tac, tac. Un peu important, et pareil, je sacrifie mon 10 pour passer mon 11 correctement, c'est-à-dire que mon 10, je vais aller loin, je vais l'accentuer, c'est-à-dire que j'ai pas besoin, normalement je peux couper droit, mais en fait je vais aller chercher loin, l'accentuer pour pouvoir m'aligner sur le 11 et avoir plus de mouvement, d'accord. Donc le 8, les deux entrées, il faut les sacrifier dans un pif-paf, c'est toujours comme ça, on sacrifie l'entrée pour privilégier la sortie. Pour se poser en virage, l'idée en fait c'est que le poids qu'on peut déplacer sur une moto, c'est-à-dire nous, pour réduire le moment de la force, vous voyez le bras de levier, hein, tout le monde a l'image d'un marteau quand il y a un bout de bras ou quand il y a un là, d'accord. Et bien, on fait la même chose avec le poids de notre corps, c'est-à-dire qu'on va le mettre le plus bas possible et le plus à l'intérieur possible. Et comme ça, on met moins de contraintes sur le. On a moins de problèmes d'adhérence, on met moins de contraintes sur le pont. Ok. Ne vous faites pas surprendre, ne commencez pas à prendre du rythme, à vous dire ça va bien. On commence par rouler propre, et après on roule vite. On commence par rouler propre. Une fois qu'on roule propre, la vitesse elle vient. La vitesse elle va venir progressivement. Et puis après on va rouler vite. Okay. Et puis n'essayez pas à gaz en grand, frein en grand, ça sert à rien. Parce que de toute façon vous allez repousser vos repères toute la journée, de 20 km/h en 20 km/h.